Bonjour, vous avez manifesté par notre sondage le souhait de voir le nettoyage de matelas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment on procède. Vous savez que les endroits favoris des acariens, ce sont nos matelas, les canapés, les couettes, les oreillers. Pourquoi? Parce que c'est des endroits chauds et humides. C'est là qu'ils se reproduisent le plus. Et en plus, ils se nourrissent de nos peaux mortes. Donc forcément, il faut à un moment donné, au moins une fois par an, procéder au nettoyage de vos matelas. Le seul procédé efficace pour nettoyer un matelas est la vapeur sèche. Vapodil répond à cette efficacité. Donc vous aurez pris la grande brosse rectangulaire avec la grande microfibre pour pouvoir bien nettoyer le matelas. Assurez-vous toujours d'être en vapeur sèche. Donc je enlève la condensation par la fenêtre ou sur un chiffon. Et ensuite, je vais procéder de cette manière le plus lentement possible pour laisser la vapeur pénétrer l'épaisseur du matelas. Et je vais faire ça, comme ça, pour tout le matelas. Et je ferai la même chose dans les autres sens de la fibre. Donc je répète sur tout le matelas. Ensuite, si toutefois vous avez le problème des punaises de lit, il y en a beaucoup sur Paris, n'hésitez pas à aller carrément, pas hésiter à aller dans les coutures, d'être bien en vapeur sèche et vous allez faire travailler sur les coutures. Vraiment, parce que c'est là qu'elles s'installent le plus et qu'elles se reproduisent. Donc pas hésiter à le faire et bien sûr laisser sécher le matelas. Vous ferez la même chose pour les oreillers, les couettes. Moi je prends la petite brosse rectangulaire où j'ai attaché une microfibre et je vais faire pareil avec l'oreiller. Je vais tâcher la microfibre de cette manière des deux côtés de l'oreiller et je laisse sécher. Ensuite, et bien vous n'aurez plus qu'à enlever la microfibre de la brosse pour pouvoir désinfecter votre brosse. Pardon, j'ai bloqué la vapeur. Et je désinfecte ma brosse. Et voilà, ceux qui sont allergiques, n'hésitez pas à renouveler l'opération le plus de fois possible pour être le plus tranquille et venir à bout ou des punaises ou des acariens. À bientôt. C'était bien. T'as coupé.